Je me suis bien planté. C'est-à-dire que je me suis planté, mais bien, au bon endroit. À Tilf, exactement. Et pour la suite, c'est Michel qui va venir m'aider. Bonjour Michel. Bonjour Freddy. Est-ce que tu veux bien m'aider, Michel? Bien sûr. Oh, merci Michel. Avec plaisir. Où est-ce qu'on est ici? Ah, chez les Porets, dans le local. Et que fait-on ici exactement? On fait des chars. Arrête ton char, Michel. Ah ben non, justement, c'est ici qu'on les commence. Qui réalise tout ça? Les Porets, hein. Oh mais dis donc, ça pousse vite par ici. Oui, ils ont des jambes, hein. Ah oui, des Porets avec des jambes. Absolument. C'est ça la légende. Vert dynamique Zégué. Vert dynamique Zégué, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ah ben c'est la devise des Porets. Ah, Jean-Luc, je me pose une question. D'où vient l'idée de faire une société de Porets? Ah mais c'est à cause de Joseph, le jardinier, hein, leur piqueur, qui avait inventé un engrais spécial qui permettait de cultiver des Porets de taille gigantesque. Et c'est ainsi que les Porets sont nés, au Moyen-Âge. Ok, c'est donc une légende, Joseph. Mais c'est aussi notre géant, Joseph. Et il est ici? Ah, il est ici derrière. Le voici, Joseph. Mais il est en bokeh. En pièce. En bokeh. En pièce. Ouais. T'as raison, Freddy. Il est dismatchi. Moi aussi. Hé, hey, Freddy! Ouais? On a quelque chose à te montrer. Allez. Oh! C'est génial ici. Où est-ce qu'on est? Ben, c'est notre local. C'est ici où on fait les réunions et les fêtes. Ouais, les fêtes. Il me semble que les fêtes, ici, c'est important chez les Porets, hein. Ah oui, c'est très important. Le folklore, c'est sérieux. Mais nous, on ne se prend absolument pas au sérieux. Ben non, jamais. Pardon. C'est qui, lui? C'est Jean-Luc, c'est le trésorier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vérifie si on brûle pas l'argent par la fenêtre. Hé, hein, vers la Suisse! Comment ça, la Suisse? Ben, vous voyez, Angela. Angela, vous venez de Suisse? Oui, mais je viens de Sion. Sion, dans le Valais? Exactement. Et donc, toi, tu participes au Porets, comment ça se fait? Oui, je viens chaque année pour le rassemblement des géants. La Létarée, tu fais pas? Non, parce que je fais partie d'une gougaine en Suisse, alors je peux plus venir. Stop, tu as dit une gougaine? Oui, c'est un groupe de musique, essentiellement avec des percussions qu'on anime carnaval. C'est génial, ça. Oui. Donc, tu étais charmé par les Porets? Voilà. Et c'est un côté international, alors, finalement, les Porets? Oui, majoritairement. Et où est-ce que vous êtes déjà allé, alors? Ah, un peu partout en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse. Forcément. Ah oui. En France, souvent. Et à Esneux, vous êtes déjà allé? Non, non, ça c'est beaucoup trop loin, ça. Fabrice, l'idée de s'habiller en Porets, c'est quand même drôle, parce que ça enfilait un costume de légumes, quoi. Bah, Freddy, où est ton pour? Il en a bien. Ah, si, c'est mieux. Allez, regarde, cette loge, son costume vert. Qu'il est beau. Oui, c'est vrai qu'il est original. J'adore. Oui, mais Freddy, oui. Sur Tilf, il y a de nombreux groupes folkloriques honorables, hein. Oui. Mais pour moi, c'est qu'un homme en Porets que je me sers d'elle. Ils sont convaincants, ces Porets, hein. Porets! Porets! Dis, Michel, comment vient un jour l'idée de faire le Porets? Nini, hein, Freddy, on ne fait pas le Porets, on est Porets. Moi, d'ailleurs, je suis tombée dans la soupe, hein, à la naissance. Et depuis, je fais le Porets. C'est mon papa qui a créé le groupe. Nos enfants font le Porets aussi. Les Porets, c'est une histoire de famille. Il y a des tas de familles dans les Porets, de génération en génération. On est Porets. Les Porets sont arrivés. Et quand ils seront partis, tout sera fini. Bébé Porets. Moi, avec Freddy, on irait faire la fête partout. On se retrouve dans un instant pour la suite de Stumpeke et Derawet. Restez avec nous. Action. Stumpeke et Derawet. Aïe. Bon, on est Gaudi. Man.net Gaudi. Man, c'est l'homme. Il y a un site web. Man.net Gaudi. Rejoignez-nous sur ce site. Une manette de jeux vidéo. Manette pour jouer. Manette, magnette. Man, Superman. Man à linge. Gaudi. Mais c'est quoi Gaudi? Gaudi, ça ressemble à Godin. Oh, à Godin. Un gorille. Un body. Je vois pas ce que ça peut être. Moi non plus. Monnaie Gaudi. Monnaie. Ben, sale. Ah oui, t'es monnaie quoi. Sale bébé. Sale enfant, sale gamin. Sale garçon. Bah oui, les garçons sont toujours sales. On est méchant, hein. Oui. Monnaie Gaudi. Oh, sale type. Sale type.